Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La situation en République démocratique du Congo brille d'incertitude, pendant que le gouvernement ne cesse de marteler sa volonté d'aller aux élections. L'opposition voudrait que le président Kabila se prononce sur sa candidature impossible pour un troisième mandat, qu'il ordonne la libération des prisonniers politiques, qu'il autorise le retour des exilés politiques afin que tous puissent participer au processus électoral. Ce soir, à l'initiative de la Convention des Congolais de l'étranger, nous allons parler de cette situation au pays. Et pour disséquer tout ce qui se passe maintenant à Kinshasa et à travers le pays, nous recevons Madame Séverine Chimini, qui est présidente de la Convention des Congolais de l'étranger. Madame, bonsoir. Nous recevons Maître Georges Kapiamba, qui est le président de la CAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, représentant de la société civile congolaise, rapporteur général de l'enquête mixte CM31 de la 20... commission. Commission, pardon. Mixte. Ah, ok. Excusez-moi, ici c'était écrit enquête mixte. De la commission, commission mixte CM31-21. Il nous expliquera ce que ça signifie. Nous recevons aussi le colonel Félix Mbaye Kalombo, magistrat militaire honoraire, avocat général honoraire de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question, j'aimerais la poser à Maître Georges Kapiamba. Est-ce que, au stade actuel en République démocratique du Congo, les élections peuvent nous permettre de trouver la solution qui stabilise le pays? Je vous remercie sincèrement pour l'invitation qui m'a été lancée afin de participer à ce débat sur la situation politique, sécuritaire des droits de l'homme en République démocratique du Congo. J'en profite aussi pour féliciter la présidente de la Convention des Congolais de l'étranger qui, par son leadership, a permis l'organisation de cette activité importante qui pourra être sûrement suivie par les Congolais de la diaspora, mais aussi les Congolais qui sont en République démocratique du Congo à travers les télévisions et les radios qui vont être sollicités pour rediffuser la dite émission. La question m'est posée de savoir si, au stade actuel, nous pouvons confirmer que les élections, l'organisation des élections en République démocratique du Congo peuvent constituer une solution à la sortie de la crise, oui ou non. Je vais vous répondre à cette question rapidement par vous brosser la situation politique, sécuritaire et sociale de la République démocratique du Congo. Et enfin, je pourrais vous dire oui ou non, dans les circonstances actuelles, les élections peuvent constituer une solution ou non pas une solution. Il est important de rappeler qu'à ce jour, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à une situation politique caractérisée par une crise aiguë qui tire son origine depuis décembre 2016 à la suite du refus exprimé par les autorités qui gèrent notre pays de pouvoir se soumettre aux exigences de la Constitution de la République démocratique du Congo, promulguée depuis 2006 et qui impose au président en fonction actuellement, à savoir le président Joseph Kabila, à ne pas aller au-delà de ces deux mandats, dont le deuxième et dernier a pris fin
depuis le 19 décembre 2016. Et logiquement, au regard de l'article 73 de la Constitution, il était imposé à la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle, de convoquer les scrutins pour l'élection du nouveau président qui devait succéder au président Kabila 3 mois avant, soit 90 jours avant la fin de son mandat, au plus tard le 19 décembre. Il s'est fait que par leur mauvaise volonté, manque de volonté politique, voudrais-je dire, par les soucis de leur part de vouloir se maintenir au pouvoir, en violation des articles 73, 70, 220 de la Constitution, ils ont tout mis en œuvre pour empêcher l'organisation de l'élection du successeur du président Joseph Kabila, qui, déjà le 19 décembre, aurait dû être installé comme nouveau président. Et depuis lors, la crise a commencé. La crise s'est caractérisée par plusieurs contestations organisées et conduites par l'opposition, les partis de l'opposition, regroupés principalement au sein du rassemblement, du regroupement, rassemblement des forces politiques et sociales, mais aussi menés par les organisations de la société civile et des mouvements citoyens, parce qu'il faut rappeler que depuis 2015, les jeunes de la République démocratique du Congo, soucieux de l'avenir de leur pays et au regard de la dégradation de conditions socio-économiques des populations, se sont réveillés, se sont organisés à travers plusieurs mouvements citoyens, à l'instar des autres mouvements qui ont pris naissance sur le continent africain, afin de contribuer à l'émergence d'un État réellement des droits et démocratiques. Mais toutes les contestations, toutes les réclamations qui avaient été exprimées pour que cette élection du successeur du président Kabila ait eu lieu avant au plus tard le 19 décembre, ont été violemment réprimées. C'est comme ça que vous avez entendu que le 19 septembre 2016, il y a eu le 19 et le 20 septembre, il y a eu une répression sanglante de plus de 50 Congolais tués, plusieurs blessés, plusieurs personnes arrêtées, plusieurs personnes portées disparues. Et c'était les faits commis par le régime en place. À l'époque, nous avons eu à dénoncer, ainsi que toutes les autres organisations, des droits de l'homme national, international et la MONUSCO, y compris la FAI, et exiger des enquêtes internationales. Le 19 et le 20 décembre, les Congolais se sont encore organisés pour protester et accompagner la fin du deuxième et dernier mandat du président Kabila par des actions de protestation pacifique. Malheureusement, ces actions ont été de nouveau réprimées. C'est-à-dire, les gens se sont organisés dans des quartiers, de faire des bruits, des sifflets, d'appeler tout simplement à haute voix les autres à constater que le président Kabila avait fini son mandat. Mais les forces de sécurité ont été envoyées jusque dans des parcelles de personnes privées pour réprimer les gens. Cette crise a perduré jusqu'en 2017 avant qu'avec l'apport de l'Union africaine, que le pouvoir de Kinshasa, qui était déjà hors mandat illégitime, ne puisse accepter d'organiser un semblant de dialogue. Ce qu'on a appelé le dialogue de la cité de l'Ouya, que tous nous avons boudé en tant qu'acteurs de la société civile,
ainsi qu'une grande partie de l'opposition républicaine. Lorsque ils sont arrivés à un constat tel que leur dialogue n'était pas accepté par le peuple congolais, la communauté internationale, parce que non inclusif, ils ont accepté finalement de se soumettre sous les bons offices de la CENCO, qui est une partie importante de l'Église catholique, pour accepter au moins l'organisation d'un dialogue global inclusif, qui s'est conclu le 31 décembre 2016 par un accord global, un accord politique global, qui a décidé finalement qu'on accordait encore au pouvoir, qui devait être réorganisé sous forme d'une transition pendant une année, de pouvoir tenir les trois scrutins, notamment les scrutins présidentiels au plus tard, le 31 décembre 2017. Ainsi donc, c'était un sursis accordé au président Joseph Kabila qui devait se faire accompagner d'un nouveau gouvernement qui, au terme de l'accord, devait être dirigé par un représentant du Rassemblement. Mais malheureusement, exploitant leur génie comme d'habitude politiciens, ils ont torpillé cet accord, jusqu'à débaucher une grande partie des leaders de l'opposition réelle pour arriver à mettre en place un gouvernement qui ne répondait pas à l'esprit, à la lettre de l'accord. C'est comme ça que nous avons eu un gouvernement dirigé par Sami Badibanga avant qu'il ne puisse céder le flambeau à M. Bruno Tshibala, qui est aujourd'hui Premier ministre jusqu'à ces jours. Donc la crise a perduré parce qu'il y a eu refus de la part du président Kabila et ses partisans regroupés au sein de ce qu'on appelle, pour des raisons purement politiques et historiques, majorité présidentielle, parce que depuis le 17 février 2017, il n'y a plus de majorité à proprement parler en République démocratique du Congo. Tous les parlementaires, principalement les députés, ayant épuisé leur mandat au plus tard le 17 février. Donc il n'y a plus de majorité. Mais on continue pour des raisons historiques à appeler ça majorité. Ils sont restés au pouvoir par la force des armes, parce qu'ils ont l'armée et les services de sécurité. Mais en réalité, ils n'ont juste plus de légitimité, parce que rejetés par la population. C'est comme ça que vous avez suivi une succession de manifestations, des actions de sit-in réclamant l'organisation rapide des élections. Bref, la crise a perduré jusqu'à ce jour. Mais parce que la question est de savoir aujourd'hui, si au regard du calendrier publié par la CENI depuis le 5 novembre 2017, projetant les trois scrutins qui devaient avoir lieu au plus tard fin décembre 2017, mais qui ont été renvoyés de manière unilatérale, parce que nous, les parties prenantes au dialogue, qui avions décidé de faire organiser ces trois scrutins au plus tard fin décembre 2017, nous n'avons jamais été convoqués pour discuter de la prorogation des délais qui se sont imposés. Mais nous avons finalement, avec la communauté internationale, été obligés de nous incliner devant cette force de fait. Est-ce que ça peut constituer une solution de la sortie des crises? Parce qu'il faut signaler que cette crise politique a entraîné une insécurité généralisée, laquelle sécurité est pour la plupart des cas entretenue par ceux qui sont au pouvoir. Et nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous avons suffisamment d'éléments, de preuves établissant que cette insécurité a été soit entretenue ou a été voulue afin de justifier le maintien au pouvoir de ceux qui sont là, un pouvoir de fait. C'est comme ça que vous avez la grande crise, une insécurité provoquée au centre
de la République démocratique du Congo qui est parti d'un béné conflit à caractère coutumier qui pour par la suite s'est transformé en un drame humanitaire. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 enfants qui sont malnutris. Nous avons eu plus d'un million de personnes déplacées dans les provinces de Kasaï qui ont constitué l'œuvre de paix depuis plus de 55 ans de l'indépendance de notre pays. Il y a eu plusieurs membres des forces armées de sécurité impliqués dans des exactions, des crimes contre l'humanité, lesquels crimes ont été à un moment donné couverts par le pouvoir qui a refusé de croire en l'existence des crimes avant d'accepter que certaines vidéos publiées reflétaient la vérité à la suite des pressions de la communauté internationale et de la communauté nationale. Bref, nous disons qu'il s'agit d'une insécurité entretenue. Malheureusement, cette insécurité a gagné l'ensemble de notre pays, jusque même à Kinshasa. Alors, donc, aujourd'hui, si je peux recadrer, vous avez dressé un tableau très sombre de ce qui se passe au Congo. Oui. Mais voilà, le gouvernement en appelle aux élections, les opposants en appellent aux élections. Est-ce que ces élections-là, si elles s'éteignaient, ça peut arranger cette situation? Alors, je peux dire à la fois oui et non dans les circonstances actuelles. En fait, aujourd'hui, la solution à la crise qui sévit notre pays réside dans l'alternance politique au plus haut sommet de l'État. Parce que nous sommes en face d'un pouvoir qui est devenu illégitime et illégal, entretenu par des acteurs qui ne sont plus reconnus par la population, auxquels la population n'obéit presque plus, dans lesquels la population ne se reconnaît plus. De sorte que aucun de leurs programmes, quelle que soit l'ampleur de moyens qu'ils peuvent mobiliser, ne peut jamais être appliqué. Il est rejeté. Ça, c'est un fait. Parce qu'un pouvoir qui s'est imposé contre la volonté de la population. C'est comme ça que ce pouvoir, pour se maintenir, s'est fait accompagner des violations graves des droits de l'homme. Donc, dans ces circonstances, il nous semble, nous, que la solution pour sortir de la crise, c'est de procéder au remplacement des dirigeants. Il faut que la République démocratique du Congo se dote des dirigeants élus, légitimes, dans lesquels la population va se reconnaître et lesquels vont avoir un esprit qu'ils sont là par la volonté du peuple congolais et que par conséquent, ils doivent exécuter un programme qui sera accepté par la population. Notamment rétablir la sécurité, la protection des personnes et des biens. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dernièrement, alors que nous n'avons pas encore terminé la crise dans les grands Kasaï. Nous avons Ituri, Bunia, bref, tous les grands nords de la province du Nord Kivu, Ituri, l'ancienne province orientale, qui sont aussi prises en proie. Donc, il faut absolument des nouveaux dirigeants régulièrement élus pour reprendre le destin des Congolais. Mais nous disons non, pourquoi? Parce que les conditions politiques et sécuritaires ne s'y prêtent pas. Il faut l'accomplissement de certains préalables. Quels sont ces préalables, ces conditions? Premièrement, il faudrait que le président Joseph Kabila, nous l'appelons ainsi parce que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avons l'obligation de continuer à les considérer en tant que président même de fait et ancien président. Il doit arriver à comprendre que les Congolais lui ont fait confiance pendant 17 ans, qu'il n'a pas pu accomplir ce qu'il avait promis. Et aujourd'hui, le pays est dans une insécurité totale, politique, économique et sociale. Et qu'il ne peut plus, lui, continuer à gérer ce pays parce que le peuple lui a déjà retiré la confiance. Il faut accompagner ce pays progressivement dans la paix
jusqu'aux élections. Mais pour y arriver, parce que nous nous retrouvons dans une situation provoquée par son pouvoir, à savoir faire partir, faire fuir un certain nombre de Congolais vers l'étranger, des gens qui sont condamnés à vivre en exil aujourd'hui, parce que craignant de leur sécurité, une fois revenus au pays, à la suite de leurs activités démocratiques. Il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent aujourd'hui en prison, arrêtés, condamnés arbitrairement. À la CAJ, nous comptabilisons aujourd'hui 368 prisonniers politiques et d'opinion. Nous étions à 371 parce que nous avions 5 membres du mouvement Lucha arrêtés et détenus à la prison de Munzenze, plus 2 de leurs supporters qui étaient arrêtés le 21 janvier 2018 à la suite de la manifestation appelée par le CLC, mais qui ont pu être acquittés par le tribunal de paix de Goma il y a 48 heures. Ce qui fait que nous sommes maintenant à 368. Ces gens doivent être remis en liberté. Parmi les 368, nous avons des Congolais, une centaine qui sont en détention depuis 2014, mais qui sont bénéficiaires de l'amnistie depuis 2014, parmi lesquels il y en a qui sont en détention depuis plus de 5 ans, sans être passés devant les juges. Ils doivent être libérés. Nous avons un important nombre de leaders aujourd'hui qui ne peuvent pas revenir. S'ils revenaient, ils vont être mis en insécurité. Donc, nous disons qu'il faut des élections, les 3 scrutins qui sont prévus d'ici le 23, mais il faut accomplir les préalables. Et je termine par, il faudrait qu'ils mettent fin au dédoublement des partis politiques, parce qu'ils ont dédoublé la plupart des partis politiques de l'opposition, de manière à les empêcher à participer au processus électoral. La loi électorale est claire. Aucun candidat ne peut être présenté sur la liste d'un parti ou regroupement politique autre que celui qui existe déjà et enregistré par les ministères de l'Intérieur. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dédoublé l'UDPS avec Bruno Tshibala. De sorte que le candidat de l'UDPS originel aura des difficultés si ce n'est pas celle-là qui est reconnue par les ministres de l'Intérieur qui doit communiquer sa liste d'ici la fin de du mois à la CENI. Il en est de tous les partis de ce qu'on appelle la plateforme des G7, tous dédoublés. Donc, il faut que qu'ils mettent fin à ce dédoublement voulu par lui et les membres de sa mouvance présidentielle aujourd'hui pour que tous les partis se présentent. Et il doit accepter aussi à être succédé par un autre Congolais qui sera élu de manière régulière et librement par les Congolais. Merci beaucoup. La même question, je la pose au colonel Félix Mbaï Kalombo. Est-ce que vous croyez aux élections comme solution en République démocratique du Congo? Merci bien de la question. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs qui m'ont permis d'être là avec vous pour essayer de donner mon point de vue sur la situation qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années. Votre question de savoir si les élections dans notre pays aujourd'hui seront une solution à la crise du Congo, d'emblée, je dis non. De telles élections ne peuvent pas être même pas un début de règlement de la situation de la crise du Congo. Mon confrère vient d'exposer toutes les causes qui sont à la base de cette crise au Congo. Mais parce que nous parlons des élections, comment peut-on penser organiser les élections, je viens de le dire, dans un pays où il n'y a pas de sécurité?
Et cette sécurité, entre parenthèses, je peux expliquer que l'insécurité au Congo règne depuis que la FIDEL est entrée au Congo. On a donné l'impression aux Congolais en 2006 qu'ils pouvaient aller aux élections. À cette époque, le nord-est du Congo était aussi en insécurité. Et pour preuve, je peux rappeler qu'il y a des villages entiers au nord-est du Congo qui ont été vidés de leurs habitants. Et ces villages sont occupés par les étrangers au moment où nous parlons. Et en 2006, on a permis aux Congolais d'aller aux élections sans tenir compte de centaines de milliers de Congolais de l'Est qui étaient déplacés de leur village et qui n'étaient même pas en mesure de rentrer ou de voter là où ils étaient. La même situation s'est répétée en 2011. C'est-à-dire l'insécurité qui règne au Congo n'est pas une chose nouvelle. À ce point de vue-là, dans un pays où règne l'insécurité, on ne peut pas prétendre aller aux élections. Ça, c'est sur le plan de l'insécurité. Autre chose, on est en train de prétendre que les Congolais vont aller voter. Vous êtes sans ignorer qu'il y a au Congo, il y a eu un génocide, d'ailleurs, qui continue jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà, depuis que l'AFDEL est arrivé au Congo jusqu'à ces jours, est-ce qu'on est déjà arrivé à faire un recensement au Congo pour au moins connaître combien il y a de Congolais sur le sol congolais? Comment voulez-vous aller voter avec une population dont vous ne connaissez même pas leur nom? En plus de cela, nous nous trouvons depuis la fin de mandat des institutions ou de ceux qui sont à la tête des institutions congolaises devant ces constats, l'illégitimité de tous ceux qui sont là, y compris Kabila et son gouvernement. Comment pouvez-vous faire confiance à des gens qui n'ont pas de légitimité dans notre pays, croire que ces gens-là vont pouvoir organiser les élections au Congo? Et je pense que toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections au Congo. Et si jamais il y a des gens comme ce qu'on appelle les opposants au Congo, parce que moi, personnellement, si je dois revenir sur la définition ou la qualification que Monseigneur Bonsengo a donnée aux dirigeants au Congo, les médiocres, ces médiocres-là ne se trouvent pas seulement dans ce qu'on a appelé la majorité présidentielle, mais il y en a aussi dans l'opposition. Ils sont tous les médiocres. Et parce que ces médiocres ont échoué dans les deux camps, nous nous trouvons au Congo et la situation est en train de se répéter. Au Congo, après les désordres qui ont été créés après la mort de Lumumba, vous pouvez vous en souvenir, le Congo était devenu ingouvernable. Je ne suis pas là pour discuter les raisons réelles qui ont été à la base de des désordres qui ont été créés au Congo en 1960. Si on a le temps, on peut en parler. Et même, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que les désordres craignés jusqu'en 1964 au Congo ne pouvaient pas permettre une bonne administration, ni politique, ni administrative dans ce pays-là. Et lorsqu'on avait décidé de faire un gouvernement de transition au début de l'année 1964, la transition qui a été menée par M. Tshombe, pratiquement on s'est trouvé dans la même situation qu'on est aujourd'hui. La seule différence, c'est que au Congo, il y avait la rébellion à ce moment-là.
Et cette rébellion était vraiment purement congolaise, une rébellion congolaise. Les Congolais se sont révoltés contre le gouvernement central à cause de la mort de Lumumba. Mais cette rébellion avait provoqué aussi le désordre en question. Il n'y avait pas de paix. La seule différence aujourd'hui, c'est que le Congo est occupé. Hein, le désordre qui est là-bas est provoqué par l'occupation permanente et qui s'accentue tout le jour. Ainsi donc, quand Tshombe est venu avec l'idée de faire une transition, d'ailleurs qui n'a duré que 18 mois, il a eu des missions à remplir. La première mission, c'était de remettre un peu de l'ordre dans l'administration, essayer de payer les fonctionnaires correctement pour leur donner à manger. Et nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Hein. Ça, c'était la première mission, redresser un peu la situation des fonctionnaires et donner un peu à manger au peuple congolais. La deuxième mission et la plus importante, c'était de pacifier le pays. Ensuite, il a pensé à organiser les élections législatives. Et le même cas se pose aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui prétendre aller aux élections pour trouver des solutions au Congo. Il n'en aura pas question. Je dis comme ça parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi qu'on ne peut pas faire des élections au Congo à cette période de temps. Il faut passer nécessairement par un gouvernement de transition. Et ce gouvernement sans Kabila, le gouvernement qui va avoir l'émission d'établir l'autorité sur l'ensemble de la République, d'assurer la sécurité des Congolais, d'assurer l'intégrité territoriale du Congo et ensuite préparer les conditions pour aller aux élections. Alors, j'aimerais quand même rebondir sur une phrase que vous avez dit. Un gouvernement de transition. Mais sur quelle base va-t-on établir ce gouvernement de transition? Qui va être dans ce gouvernement de transition? D'autant plus que nous savons que chez nous, l'administration est politisée. Donc, si on met un gouvernement de transition aujourd'hui, il sera obligé de travailler avec des gens que Kabila a placés. Comment ça va se faire? Comment en arriver à une symbiose de manière à ce que le peuple trouve son compte? Parce que Kabila, c'est tout un système qui ne sera pas déboulonné parce qu'on aura un gouvernement de transition. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Au Congo, il y a eu un mouvement qu'on est en train d'étouffer maintenant. Un mouvement, un soulèvement de l'opinion publique congolaise qui s'est mise debout en tant que force politique. Et moi, personnellement, et les autres aussi, nous avons salué cet état de choses. Mais vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour endormir encore ce mouvement. Mais ce mouvement est encore debout. On ne va pas demander à Kabila « aidez-nous parce que nous voulons faire une transition ». Non, j'ai dit que les Congolais doivent se débarrasser de Kabila, de son régime. Et dans le régime de Kabila, où il y a des médiocres, à tous azimuts, des médiocres de l'opposition, des médiocres de la majorité, et c'est-à-dire qu'ils seront obligés de partir. Et c'est quand ils seront partis qu'on va établir cette transition. Je vous dis, je ne sais pas, quand quelqu'un veut obtenir quelque chose, il peut l'obtenir. Mais on ne leur demande pas de leur gré de partir, ils ne partiront pas. Alors, une dernière question. Est-ce que vous espérez au Congo un soulèvement du genre celui qui a chassé, par exemple, Ferdinand Marcos? Mais je n'espère pas. Le soulèvement est déjà au Congo. Malheureusement, nous, les Congolais, actuellement, nous ne savons pas comment encadrer ces gens-là. Ils sont là. Je suis en train de me dire, en pleurant, et si jamais ça va encore tomber, il fallait peut-être attendre encore 10 ans pour qu'ils se relèvent. Le mouvement est là. Même si on est en train de corrompre les comités laïcs, là, qui est en train de s'endormir maintenant, c'est une corruption. Le peuple congolais est debout. Les sons de Congolais qui sont tués, le compère vient de le dire ici, ce son-là, il n'est pas tombé pour rien. Le peuple congolais est debout. Et nous, les Congolais, nous devons savoir maintenant comment nous organiser pour soutenir ce soulèvement afin que ces gens partent. Ils ne vont pas partir demain, on doit les chasser. Maître Kapiamba, je reviens vers vous. Est-ce que est-il possible d'arriver au Congo à un soulèvement populaire du genre celui qui a chassé par exemple Ferdinand Marcos? Alors, je dois être très sincère avec vous en vous disant qu'en ma qualité de défenseur des droits de l'homme,
vous savez que nous ne pouvons pas souhaiter pour soutenir un mouvement révolutionnaire, parce que toute révolution est à confondre ou à comparer avec un coup d'État, constitue pour nous un des moyens antidémocratiques de prise de pouvoir. Et si je me remets à la Constitution qui régit la République démocratique du Congo, l'article 64 interdit à la fois la prise de pouvoir par des moyens non démocratiques, mais aussi son exercice par des moyens qui violent les principes édictés par elle-même la Constitution. Donc, nous ne pouvons pas encourager ces mouvements, à moins que ça soit un état de fait devant lequel tous nous allons nous retrouver être obligés de constater. Mais nous ne pouvons pas les souhaiter. Donc, je pense tout simplement que les Congolais ont les droits et les devoirs de pouvoir réclamer l'institution d'une société démocratique, c'est-à-dire gérée et gouvernée par un gouvernement ou une structure issue des élections régulièrement organisées, conformément notamment à l'article 5 de la Constitution. Lorsque nous avons un pareil gouvernement, nous devons les soutenir. Mais lorsque nous n'avons pas ce genre de gouvernement, les Congolais ont l'obligation, conformément à d'autres dispositions, notamment les articles 23, 24, 26 aussi, d'organiser des actions pacifiques pour pousser ceux qui dirigent les pays à respecter cette constitution, à respecter l'article 5 qui fonde, qui rappelle la souveraineté du pouvoir qui revient au peuple et qui dit que seul le peuple peut transmettre, exercer cette souveraineté, soit directement par les élections ou par ses représentants. Donc, il n'y a pas une autre manière d'exercer le pouvoir en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous disons que le président Joseph Kabila et son équipe actuellement gèrent le pouvoir en violation de la Constitution, parce qu'ils n'ont pas respecté déjà au 19 décembre 2016. Ils ne devaient pas être là. À la limite, ils sont allés au-delà, mais nous avons tous, moi je suis l'un des co-signateurs de l'accord de la Saint-Sylvestre, il a été accepté par un consensus qui est un des modes de gestion dans une société démocratique, d'accorder au pouvoir en place, c'est-à-dire au président Joseph Kabila, à titre de sursis, de rester encore pendant une année, mais sans possibilité de gérer, parce qu'un gouvernement inclusif devait être mis en place, dirigé par une personnalité du vrai rassemblement. Ils ont torpillé cet accord pour continuer à se maintenir. Pour nous, il faudrait que les Congolais continuent aujourd'hui à se battre par des moyens pacifiques afin de faire respecter la souveraineté du peuple. Question ? Le colonel Gav Foné, en tout cas, il a posé des si nous allons aux élections aujourd'hui, pour élire des gens qui passent par Kigali, pour solliciter des parrainages, pour faire allégeance, il n'y aura pas d'alternance. Quel est l'enjeu? Les élections, c'est pour faire quoi? La situation du Congo, elle est très claire. Depuis l'arrivée de la fenêtre, le Congo est dans une situation où nous avons tout perdu. Nous ne contrôlons rien, ni l'armée, ni les services de sécurité, ni la police, ni l'économie, rien du tout. Même pas les institutions. Celui qui va être élu aujourd'hui, à supposer qu'il soit de l'opposition, il n'aura pas de statut différent de celui de Tshibala. Comment il va récupérer le pouvoir? Comment il va récupérer ce qu'il a appelé l'impérium? Donc, pour moi, la question telle qu'elle est posée, elle est pertinente. Elle permet aux Congolais de prendre conscience des réalités d'aujourd'hui. Nous sommes un pays occupé
on tue des jeunes, on tue des vieux, on les, même quand ils sont morts, on ne peut pas récupérer leur corps pour les enterrer. Et quand ils sont blessés, on ne peut pas les soigner convenablement. Maître Kapiang aurait pu nous parler un peu davantage pour savoir quelle est la situation du Congo, des Congolais. On nous touche, on nous tue comme des mouches. On ne mérite même pas une petite considération. Cela montre bien que le pays ne nous appartient pas et nous n'avons pas le moyen de nous défendre. Lorsque Maître Kapiang, qui fait partie, qui représente la société civile, qui aurait pu mériter notre crédibilité aujourd'hui, et qui nous parle qu'il faut aller aux élections, il faut les moyens, etc. Moi, je dis, mais ça, c'est de l'épicerie de ceux qui veulent entretenir le système d'esclavage des Congolais. J'aurais voulu qu'il nous explique clairement comment on peut se libérer, comment on peut se réapproprier et la force, et les forces de sécurité, et les institutions du pays. Voilà. Donc, pour moi, je considère que s'il y a une obligation, c'est vrai, il faut passer par un gouvernement de transition, mais ce gouvernement de transition doit réhabiliter les gens légitimés par le peuple. Le processus qui a été amorcé aux États-Unis de donner par exemple la transition à un Monsengo, cardinal et archevêque de Kinshasa, c'est une des solutions. Mais pourquoi ne pas organiser que la société civile désigne à la fois et les institutions et les animateurs des institutions? Ils auront la légitimité. Ils pourront nous représenter devant le Conseil de sécurité de l'ONU au lieu d'envoyer la CENCO qui est en train de donner des béquilles à un régime qui est décadent. Ils ont donné des béquilles avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, cet accord représente quoi? Et à l'époque même, cet accord pouvait nous apporter quoi? Voilà, moi je pense que la question posée, elle est pertinente. Si nous laissons, si nous loupons cette occasion, c'est-à-dire la situation où nous sommes actuellement, c'est une situation où on peut aller jusqu'au bout, liquider ces régimes qui, si on ne fait pas attention, non seulement il va se renforcer, c'est-à-dire l'occupation va se renforcer, mais on va aller vers la liquidation du Congo en tant que pays. Donc il faut répondre de manière pertinente à cette question. Je peux lui répondre. Maître Kapiang, je voudrais que vous réagissiez à. Oui. Au propos. Alors, d'abord, la situation des droits de l'homme, elle est dramatique. Je vais peut-être survoler ça. Nous sommes dans une situation où il est interdit d'exercer la liberté de réunion et de manifestation publique. C'est comme ça que vous avez suivi que 3 manifestations pacifiques ont été systématiquement réprimées dans les sangs, le 31 décembre 2017, le 21 janvier 2018 et le 25 février 2018, par les pouvoirs en place. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Moi-même, je fais partie de la commission d'enquête mixte. Ne fût-ce que pour les 2 manifestations, nous avons dénombré 14 morts. Suffisamment documenté, avec plus de 30 blessés graves, dont 9 ont encore des balles dans leur corps jusqu'à ce jour. Beaucoup de personnes arrêtées, torturées et maltraitées. Nous avons aussi certains cas de personnes portées disparues. Donc, bref, la situation des droits de l'homme est dramatique. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est difficile de se promener sans être interpellé, sans se faire fouiller son téléphone et se faire arrêter, se faire payer, extorquer de l'argent par les agents des services de sécurité. Et c'est des faits que nous avons même dénoncés, les derniers cas en date, vous avez suivi de maître Papi Mbaki. Il a suffi seulement qu'on trouve dans sa voiture une banderole frappée de l'effigie de Moïse Katumbi pour se faire arrêter, et il a été gardé pendant 5 jours au renseignement militaire. Bref, c'est un cas parmi tant d'autres que nous avons épinglés à ce jour. Donc la situation est dramatique, personne n'est suffisamment protégé aujourd'hui. Mais maintenant, la question qui se pose, d'abord je voudrais vous dire que c'est à tort que vous constituerez la CENCO ou vous la qualifierez
comme une des dernières béquilles au pouvoir de Kinshasa. Je crois que c'est à tort. C'est peut-être cela est dû au fait que vous n'êtes pas suffisamment informé. La CENCO fait partie des acteurs sociaux de la République démocratique du Congo avec lesquels nous menons les combats les plus importants. Je ne veux pas ici, parce que c'est une émission qui va être diffusée, vous livrer tous les secrets de la stratégie que nous mettons en place. Je vais vous donner un exemple. De janvier jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 42 cas des attaques dirigées contre les clergés catholiques, des religieux, c'est-à-dire des sœurs, ou des abbés et des prêtres attaqués, soit enlevés, soit arrêtés à cause seulement des prises de position de l'Église catholique. Le cardinal Mosengo, n'en parlons pas, il a à deux reprises été empêché systématiquement à prendre son vol pour venir à l'aide. Donc, c'est pour vous dire que la situation est sérieuse. Et ces hommes et ces femmes prennent réellement des risques, comme nous tous, par nos déclarations. Et le faire dans notre pays, en face de ces services de sécurité qui sont aujourd'hui, qui équiment toute la ville de Kinshasa et des provinces, n'est pas une chose facile. Il ne constitue pas une dernière béquille pour le pouvoir de Kinshasa. Je pense qu'il faut changer de discours. Sinon, vous allez décourager tous ceux qui se mettent debout aujourd'hui, qui représentent encore une autre voie de contestation pour le pays. Parce que si l'Église catholique ne le faisait pas, vous savez vous-même que l'opposition n'était plus en mesure de mobiliser. Mais l'Église a repris la relève. C'est déjà une très bonne chose au risque et péril. Vous avez suivi dernièrement que les églises ont été même scellées. Dans notre propre rapport, nous l'avons mentionné. Beaucoup d'églises ont été scellées. Une chose qu'on n'a jamais vécue en République démocratique du Congo, même du temps de la dictature de Mobutu. Alors, vous dites il faut une transition sans Kabila. Moi, je suis d'accord, mais j'aimerais savoir sur quelle base. Parce que si nous suivons ce schéma, ça veut tout simplement dire nous mettons entre parenthèses la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Parce que si nous mettons entre parenthèses la Constitution, nous ouvrons la porte à Kabila et ses partisans qui vont dire, mais parce que cette Constitution qui me limite, moi, dans le nombre de mes mandats, n'existe plus, je peux postuler pour un troisième mandat. On oublie tout ce qui s'est passé aux prochaines élections, je serai candidat. Vous allez lui opposer quoi? Difficilement. Vous parlez de l'occupation depuis autant d'années. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, tous nous avons été à l'université, dans l'histoire de chaque société, il y a toujours eu des hauts et des bas. Nous ne devons pas continuer à faire notre histoire, notre devenir, en rentrant toujours sur les mauvaises périodes. Je vais bien, 1964, j'ai suivi mon co-débatteur qui a évoqué ça. Les ratés de Tshombe, mais nous n'allons pas refaire l'histoire d'aujourd'hui. En 1964, il n'y avait pas de mouvement citoyen. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles donnes. C'est vrai que l'Église catholique était encore très engagée avec le cardinal Malula, on se rappelle, paix à son âme, mais il n'y avait pas de mouvement citoyen avec des jeunes engagés. Aujourd'hui, il y a des forces, de nouvelles forces qui ont émergé au pays sur lesquelles vous devez aussi compter, auquel vous devez apporter un soutien. Donc, si vous les négligez, vous pensez qu'il faut tout simplement une autre lutte, du genre lutte armée, je pense que ça va retarder davantage l'appropriation de notre pays. Nous, nous sommes certains, aujourd'hui, qu'en allant aux élections, ça nous permet d'abord de nous dégager de celui qui symbolise l'insécurité, les violences sexuelles contre les femmes, à savoir le président Joseph Kabila, il doit partir, il sait qu'il ne doit plus. Ne perdez pas aussi de vue que si nous restons toujours distraits, demain après demain, ils sont en train de s'organiser. Demain après demain, il va y avoir des élections. Et si nous ne sommes pas suffisamment organisés, ça va être leur candidat. Nous, la société civile, nous n'avons pas de mandat. L'ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir. Mais nous avons l'obligation d'accompagner la population à voter utile.
C'est tout ce que nous devons faire. Donc, il faut que chacun se mette à sa place. Parce que si la société civile, les ONG de la société s'engagent sur ces chemins, ça veut dire qu'on n'est plus loin de la politique la plus active. Il faut pousser les politiciens qui sont là. C'est pour cela que moi, je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur de la gauche quand il considère que même ceux de l'opposition sont des médiocres. Il y en a quelques-uns. Mais il y a quand même des gens sur lesquels nous pouvons fonder notre avenir. Il y a des gens engagés avec lesquels moi j'ai discuté qui peuvent aujourd'hui porter la voix du changement de la RDC. Tous ne se sont pas compromis. Ce n'est pas parce que Olenga Nkoy a traversé, il est allé du côté de Kabila, que nous pouvons considérer aujourd'hui que Félix ne mérite plus. Nous pouvons considérer aujourd'hui, je crois que je respecte le point de vue des uns et des autres, que Moïse Katumbi ne mérite plus. Il y a des gens sur lesquels on peut mériter. On peut compter. Je respecte les sensibilités des uns et des autres. Mais je l'ai dit sur base de mon analyse sur terrain en disant il y a des opposants aujourd'hui sur lesquels nous pouvons compter et aller de l'avant. C'est vrai que le patriarche Étienne est parti. Il y a des petits Étienne Tshisekedi qui s'appellent sous d'autres noms,